Bonjour, mon nom est Wisseline Désir. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie à mon jeune âge. Mes parents m'ont toujours amenée à l'église puis à la réunion de prière. Mais c'était pour moi, tout était une routine. Avec le temps, je n'avais pas l'impression d'aller à l'église pour moi, mais plutôt pour mes parents. Je me détournais du Seigneur. J'étais corrompue. C'est comme si je tombais. J'avais plus d'intérêt pour le Seigneur. Mais après, le Seigneur, il m'a relevé par les chants, par toutes sortes de manières. Il m'a relevé, il me disait, t'inquiète pas, je suis là pour toi, détourne-toi pas de moi. Je me rappelle même que quand j'étais jeune, ma mère me disait, quand t'entends ton nom, puis il n'y a personne autour de toi, dis oui Seigneur. C'est, pour moi, c'était un signe qui disait, oublie-moi pas, parle-moi. Puis, tu sais, ça m'a, de cette manière-là, ça m'a relevé, ça m'a dit, oh, le Seigneur est toujours là pour moi. Puis, pendant ce moment-là, il y avait une chanson qui est rentrée dans ma tête. La chanson, il y a une phrase qui dit, ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, il faut que je change, il faut que je m'approche plus de Dieu. Donc, j'ai parlé à mes sœurs, puis mes sœurs ont dit, ouais, eux aussi, ils voient que, même s'ils sont baptisés, ils ont vu que, tu sais, leur foi, elle n'avançait plus. Puis, donc, on a décidé depuis 3 ans de changer d'église. Ça fait 3 ans qu'on est au portail. Puis, le Seigneur a toujours été, il m'a jamais laissé, malgré que moi, je me détournais de lui. Lui, il était resté avec moi. Je remercie, je suis là ici pour me baptiser aujourd'hui, parce que je veux remercier le Seigneur qui m'a jamais laissé et qui a rallumé la flamme qui était perdue, qu'il a rallumé la flamme dans mon cœur, que je puisse le servir. Car c'est lui mon meilleur ami, il s'est jamais détourné de moi. Je remercie pour ça aujourd'hui.